On va essayer le karaté. Parce que le MMA, arts martiaux mélangés, c'est un mélange. Il faut tout mélanger. C'est aussi simple que ça. Mélangeons. Première fois que je fais le karaté, que je pratique du karaté, souvent il y a ce côté, les gens ils ont l'appréhension que c'est pas, que c'est vraiment pas lié avec la discipline, le MMA on voit tellement loin, peut-être le piqué le kimono, et j'étais vraiment vraiment surpris parce que c'est quasiment la même chose en fait. Dans le sens de debout, les déplacements, la distance, le contrôle de la distance, la gestion de la distance surtout, toucher sans être touché, entrer, sortir dans le timing et le rythme, j'étais vraiment vraiment lessivé et bah, j'ai intégré ça dans ma routine d'entraînement d'ailleurs depuis une fois par semaine. Et ouais, très bonne expérience. Dès que j'approche sur la montée, je suis... Ah, on est là en combat, dès que je bouge, ah, il me laisse pas arrière, je... ça c'est son territoire, voilà le mien. Ouais, dès que je rentre dans son territoire, d'accord, on y va, on l'empêche d'approcher. Ouais, voilà. Et là tu passes, voilà, tu passes. Hein, voilà, et là tu passes toutes tes hanches. Et... Ah, regarde tout ce qui rentre. C'est ce qu'on appelle en japonais en koshi. Ah, ça lui arrache la tête, koshi. Le stop, ah, on monte. Oh. Et là, on enchaîne Maïté Gyaku. Voilà, on repart. Allez, un stop et poursuivez. On repart. Ça va? Ouais, ça va. Ça pique, hein? Daniel, pareil, on s'était déjà croisé comme ça, mais on n'a jamais eu plus d'occasion. Il fait travailler ensemble, bah, ça nous a rapprochés. Et comment c'était un compétiteur et il sent qu'il aime vraiment ce qu'il fait, donc le feeling il est passé tout seul. Quoi. Bah, justement, c'est bien la preuve que beaucoup des techniques de karaté sont applicables en MMA. Bah, tout le monde connaît Lyoto Machida, qui est un de ceux qui l'a prouvé. Et du fait de la distance avec les amener au sol, la distance de percussion MMA est vraiment la même pour le karaté. Donc il y aura plein de choses, plein d'échanges intéressants. Très bonne découverte pour moi. Vraiment, ouais. Sincèrement, ouais. Ouais. Et pour mon poids, être plus mobile, plus bouger, j'ai tendance à être assez statique. C'est top. Une fois par semaine, je mets mon kimono, ma ceinture blanche et je réapprends les bases. Ousse.